Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du romantisme. En fait, le romantisme, c'est un courant européen qui est apparu au 18e siècle en Allemagne et en Angleterre. C'est un courant qui touche à plusieurs types d'art, comme par exemple la littérature, le théâtre, la musique et la peinture. En fait, il est né de l'insatisfaction de la population par rapport à la réalité de l'époque. Ce qui se passe, c'est que leurs espoirs ne concordaient pas avec leur présent. Et c'est ce qu'on a appelé le mal du siècle. Par le romantisme, on s'oppose au classicisme et au rationalisme présents dans les idées du siècle des Lumières. Les artistes romantiques vont souvent transgresser les règles que l'on retrouve dans le classicisme et ne vont pas s'imposer de barrières et vont laisser libre cours à leur créativité. En fait, le romantisme est un courant beaucoup plus libre. Dans les œuvres de ce courant, on retrouve souvent les thèmes de la nature, du voyage, de l'évasion, des passions amoureuses, de l'imagination et du rêve. On va surtout se concentrer sur les individus et les sentiments ressentis. Maintenant, si l'on compare le romantisme avec l'existentialisme et le symbolisme, on remarque que c'est des courants qui ont beaucoup de différences et de ressemblances entre eux. Tout d'abord, les trois courants vont chercher à s'opposer à d'autres courants. Aussi, tout comme le romantisme, le symbolisme va permettre à l'esprit de créer librement et va vraiment faire appel à l'imagination de l'artiste. Par contre, le symbolisme va davantage passer par des images pour transmettre un message, tandis que le romantisme va être plus direct dans ce qu'il veut transmettre. Quant à l'existentialisme, il va ressembler au romantisme parce que c'est deux courants qui vont vraiment se concentrer sur l'individu et qui vont demander un engagement personnel de la part de l'artiste. Par contre, le romantisme va être plus sensible dans ce qu'il écrit et dans ce qu'il crée que l'existentialiste. Maintenant, si je devais expliquer pourquoi j'ai choisi le romantisme, je dirais que c'est parce que c'est le courant que j'étais le plus curieuse d'explorer. C'est surtout dû au fait que durant mon parcours scolaire, c'est le courant que j'ai le moins étudié. Aussi, en parcourant les extraits, c'est celui du romantisme qui m'a le plus intéressée parce que son titre était plus intriguant que les autres à mon avis. Et aussi, sa forme était différente de ce qu'on voit d'habitude. Aussi, les recherches que j'ai faites sur chacun des courants ont influencé mon choix. Plusieurs thèmes abordés par le symbolisme, comme par exemple le désespoir de l'auteur, l'exil, la dépression en amour, la cruauté, le mal, étaient vraiment sombres et déprimants. Et je trouvais que les thèmes du romantisme étaient plus égayants. Aussi, le symbolisme utilise beaucoup d'images et d'analogies. Je me suis dit que c'était mieux d'opter pour un courant qui était plus direct dans ses propos. Ensuite, l'aspect philosophique de l'existentialisme m'a pas vraiment intéressée. L'existence individuelle et les choix personnels sont pas des thèmes qui m'intriguent vraiment et ils sont vraiment utilisés dans l'existentialisme. Les thèmes du rêve, de la nature, des sentiments qui sont abordés par le romantisme sont plus des thèmes qui m'intéressaient. Maintenant, parlons de l'extrait romantique proposé, soit La mort du loup d'Alfred de Vigny. En résumé, cet extrait, c'est un peu comme un récit de chasse. Dans la première partie, un des chasseurs va raconter comment son groupe va s'attaquer à une famille de loups composée d'un père, d'une mère et de deux louveteaux, et comment le père va finir par succomber à ses blessures, et que le reste de sa famille va s'enfuir sain et sauf. Dans la deuxième partie, il s'agit plutôt des pensées du chasseur quant à l'incapacité de l'homme à vivre et à mourir de la bonne façon, et sur la supériorité des animaux dans ce domaine. Cette partie de l'extrait est plutôt moralisatrice et sert à faire réaliser au lecteur la lâcheté de l'humain. Plusieurs thèmes sont abordés dans cet extrait. Un des thèmes principaux est le thème de la mort. On le retrouve dans le décès du loup et dans le discours moralisateur du chasseur. L'extrait traite beaucoup de la mort digne ou encore de la bonne façon de mourir, qu'il va désigner comme étant une mort que l'on doit subir dans le silence. Ensuite, un autre thème principal est celui de l'amour, que l'on retrouve dans les sous-thèmes de la famille, du sacrifice et de la solidarité. Il est évident que les membres de la famille de loups s'aiment entre eux. Aussi, le père parvient à sauver ses enfants
et la mère en se sacrifiant. Il les aime au point de donner sa vie. Le narrateur insinue aussi que la louve en aurait fait autant pour le loup. Elle l'aurait aidé à se défendre même si elle savait que c'était dangereux pour elle. Seulement, le devoir de la mère envers ses petits les ont obligés à fuir. Le thème de la nature est aussi abordé. Le chasseur suggère que les animaux qui vivent dans la nature savent mieux vivre et mourir que les hommes civilisés. L'extrait comporte aussi beaucoup de descriptions de la forêt. On y retrouve d'ailleurs un champ lexical de la nature qui comporte les mots nuage, lune, bois, bruyère, gazon, brande, sapin, plaine, vent, terre, chêne, roc, sable, etc. On retrouve d'autres procédés très pertinents dans cet extrait. Dans la deuxième partie, on retrouve l'utilisation répétée du point d'exclamation. Cela sert à accentuer la honte du chasseur par rapport à la lâcheté de l'humain. Plusieurs procédés sont utilisés pour présenter le loup comme un animal héroïque et digne, alors que d'habitude, il est plus présenté comme un animal sournois et méchant. Une comparaison contribue à donner cette bonne image au loup. Il s'agit de sa louve reposait comme celle de marbre qu'adoraient les Romains. Ici, on compare le loup à un animal qui est vénéré par les humains et ça donne l'impression que l'animal est supérieur à l'homme. Aussi, l'utilisation de vocabulaire amélioratif quand le chasseur désigne le loup aide à donner cet effet de grandeur à l'animal. Il utilise des expressions comme griffes puissantes, gueule brûlante, mâchoire de fer, sublimes animaux et yeux qui flamboyaient. La mort du loup fait partie du courant romantique parce qu'on y retrouve plusieurs caractéristiques du courant. D'abord, un des thèmes principaux de l'extrait est le thème de la nature et c'est un des thèmes qui est vraiment exploité chez les romantiques. Aussi, le texte se concentre sur ce que ressent le chasseur, soit de la honte envers les humains et de l'admiration envers les loups. L'utilisation abondante du jeu en est la preuve. De plus, toute l'histoire est racontée d'un seul point de vue, soit celui du chasseur. Il s'agit de ses pensées, de sa vision du monde, de ses sentiments. Et donc, le texte se concentre vraiment sur l'individu. Aussi, l'auteur veut vraiment faire preuve de sensibilité dans ce qu'il va écrire. Et tout ça, ça révèle l'influence de romantisme dans le texte. Ensuite, le fait que l'histoire se déroule dans la nature dénote d'une certaine forme d'évasion de la part de l'auteur. Il va se projeter dans un monde naturel. En effet, il va sortir du cadre social dans lequel on est habitué de voir l'humain. Aussi, certains personnages principaux sont des animaux sauvages et le chasseur va souvent faire référence à eux comme à des voyageurs. Le romantisme traite souvent de voyage et d'évasion et donc ça peut amener à la conclusion que le texte est un texte romantique.